Bonjour frère et sœur, bon dimanche à vous. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, mes frères et sœurs. Ça me fait rire. Ok. Dites-moi, les frères et sœurs, quel est le degré de votre foi? Non. Je devrais peut-être vous poser cette question d'abord. Mes frères et sœurs, dites-moi. Avez-vous la foi? Et si vous avez la foi, jusqu'à où s'étend votre foi? Jusqu'à où ça, votre foi, ça part? Parce que moi, je ne sais plus. Hein? Ouais. Dans une église, les gens filmaient ça. Regardez bien là-bas. Vous voyez là-bas, non? On voit des gens avec toutes sortes d'outils. On voit des gens avec toutes sortes de choses. Je vois les palais. Je vois le bois. J'ai même vu une machette tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Mais vous pouvez voir directement le pasteur en vert et blanc. Le pasteur, lui, il est carrément armé de son fusil. Et ils sont tous venus à l'église pour prier. Et cette forme de prière-là s'appelle la prière de combat. La prière de combat, c'est même cette prière où les démons doivent partir. C'est même cette prière où le diable doit partir. Et ça marche. Et ça marche bien. Même le Seigneur Jésus-Christ de la Bible, il a dit à ceux qu'il avait envoyés, les 60 personnes qu'il avait envoyées, il a carrément dit que quand ces gens-là sont allés en mission et qu'ils avaient du succès, lui, il pouvait voir le diable tomber du ciel comme un éclair. Parce que ces gens-là même ont même dit que même les démons étaient soumis en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Là, les serviteurs de Jésus-Christ chassaient les démons. Aucun démon ne pouvait les nuire. Ils avaient l'autorité. Ils avaient le pouvoir, la puissance. Tellement ils sont montés en grade que même le diable est tombé du ciel comme un éclair. Et ça là, c'est une chose vraie. Qui confirme que les prières de combat, vraiment, c'est pas un jeu. Et il faut prendre cela au sérieux. En tout cas, eux, ils ont pris cela au sérieux. Hein, regardez la Bible. Ils ont pris cela au sérieux, regardez-la bien. C'est même la raison pour laquelle je vous ai posé cette question-là. Je vous ai dit, je vous ai demandé, je vous ai dit, avez-vous la foi? Et si oui, jusqu'à où s'étend votre foi? Autrement dit, quel est le degré de votre foi? Là, nous sommes face à des gens qui sont en train de faire ce qu'on appelle l'acte prophétique. Est-ce que vous savez ce que c'est que un acte prophétique? Qui peut m'expliquer ceci? Laissez en commentaire, donnez-moi la définition vite. Donnez-moi la définition vite, 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 je vous attends. Allez-y, vite, 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 chap, chap. Un acte prophétique, qu'est-ce que c'est? Selon ce que j'ai vu, hein, par rapport à ce que j'ai vu chez le pasteur, même que je vois ici, c'est comme une action qu'on fait ici dans le monde physique et on s'attend à ce que c'est des répercussions dans le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle l'acte prophétique. Vous voyez, non? Ou bien je me trompe? Regardez-vous-même.
Le monsieur a avoué son fusil, son vieux fusil du quartier. Le gars a demandé à tous ces gars, à tous ces gens, à tout son peuple de venir aussi avec tout ce qu'ils peuvent apporter. Parce que ce jour-là, le diable va fuir. Le diable est ici. Le diable est ici. Regardez le vilain là. Le vilain. Du coup, tout le monde s'est préparé. Vous voyez, non? Tout le monde s'est préparé. La maman du quartier, elle est même prête, regardez, elle est ici. Elle va balayer le diable de sa vie. Elle va balayer le diable de sa vie. Oh, elle va balayer le diable. Le pasteur est même chaud. Non, le pasteur, mais lui, mais veux-tu, le diable va quitter ici. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Dites-moi, mes frères et sœurs. Pourquoi quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'est pas allé dans le monde des ténèbres, dans le camp du diable, pour en finir avec le diable, et puis nous, on va laisser en paix ici. Et puis, il a laissé ça jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les pasteurs maintenant qui viennent pour faire ce que Jésus a oublié de faire. Ce que Jésus a oublié de faire là. Ils vont faire ça pour lui. Ils veulent tuer le diable. Hey! Hey! Vous ne devez pas négliger ce fait, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Parce que le diable, c'est un esprit. Un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit, il ne peut pas être combattu avec les armes physiques. C'est spirituellement. Eux, là-bas, ils ont envoyé des armes physiques en se disant que il faut attaquer le diable. Ou bien non. En se disant que il faut attaquer Satan. Mais Satan est là-bas, il vous regarde. Il faut regarder, il se dit, mais, hein? Juste, c'est à cause du moyen, vous envoyez tout ça. Même machette. Regarde le gars. Même machette. Et si dans cette histoire de prière de combat là, tu te trompes et puis tu découpes quelqu'un là-bas, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Là, le diable ne sera pas là. Là, le diable ne sera pas là. Tout se passe en esprit, mes frères et sœurs. Tout se passe en esprit. Le pasteur aurait mieux fait de dire que pendant que vous priez, dites-vous que vous avez des armes en la main et que vous descendez du monde des ténèbres pour récupérer ce qui vous appartient. Et là, les gens sont assis sans armes dans l'église. Ils ont juste leur Bible, comme l'arme, la parole de Dieu, comme l'épée. Et dans leur esprit, ils ont ça. Mais là encore, il faut que Dieu vous accompagne dans ça. Parce que si Dieu ne vous accompagne pas dans ça, tout ce que vous allez faire sera vain. C'est pourquoi on dit dans la Bible, dans la parole de Dieu, que si l'Éternel le bâtit, ok, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain, il travaille en vain. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas dans cette action qu'ils sont en train de faire, ça n'aura aucun effet. Aucun effet. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui construit sa maison sur de l'eau. Toi, tu as construit ta maison sur de l'eau. De l'eau, sérieux? En tout cas, moi je pense que ces gens-là sont sérieux de ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent chasser le diable. Ils veulent chasser le diable. Ils cherchent le moyen d'y arriver. C'est pourquoi ils font toutes ces choses. Mes frères et sœurs, ce que je peux vous dire, tout se passe en esprit.
Vos ennemis, là, ils vous attaquent en esprit, pas physiquement. Si physiquement, ils vous gênent pour vous attaquer, là, c'est que spirituellement, ils ont échoué. Et physiquement, quand ils vont venir vous attaquer, ils vont fonctionner de la sorte. Du genre, ça ressemble à une personne qui est dans la même entreprise que vous, qui ne vous aime pas et qui veut que vous soyez renvoyé de l'entreprise. Qu'est-ce que cette personne va faire? Cette personne fera tout pour que vous-même vous soyez la source de votre chute. En quoi faisant? En mentant sur vous ou en faisant croire aux gens que vous travaillez moins ou bien vous faites des bêtises. Vous voyez? C'est exactement ça la sorcellerie. C'est exactement ça ce que Dieu a fait. Et il prend la parole de Dieu. Il prend la parole de Dieu et il essaie de tendre des pièges aux gens. Il pose la question à Jésus-Christ. Es-tu le fils de Dieu? Il s'attend à ce que Jésus-Christ dise oui et il va commencer à crier. Blasphème! Oh! Tu es en train de blasphémer! Tu blasphèmes! C'est ça la guerre spirituelle qu'elle a. La guerre spirituelle là, se présente sous cette forme-là. Ne gaspillez pas vos forces. Restez plutôt concentrés et soyez en esprit. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Dieu l'a dit ou pas? Dieu l'a-t-il dit ou pas? Dieu a dit que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que Dieu, il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce qu'il vous faut. Vous voyez, non? Ce qu'il vous faut là, il le sait. L'homme va travailler la sueur de son front. Maintenant, qui cherche trouve? Tu vas chercher. Tu as trouvé du travail. Et tu as trouvé du travail dans la souffrance. Il y aura des ennemis qui vont venir te tendre des pièges pour que tu puisses perdre ce travail-là. Tu vois des ennemis qui vont tenter de t'éteindre. Qu'est-ce que tu dois faire pour qu'ils n'y arrivent pas? Est-ce que tu vas prendre une machette juste pour aller les combattre comme ça à l'église? Ça ne marche pas comme ça. Le truc, hein, c'est d'enseigner ce qu'il faut enseigner au peuple, afin que le peuple soit bien armé dans la parole de Dieu, afin de résister à la tentation. Ça veut dire que là, une fois que tu as la connaissance de la parole de Dieu et que tu sais comment les sorciers opèrent, automatiquement tu sauras comment contrer les attaques. Par exemple, on te dit, évite la colère. Si quelqu'un te provoque, il faut l'éviter. Évite la colère. Par exemple, on te dit, évite les mauvaises compagnies. Si quelqu'un fume de la drogue, évite de marcher avec cette personne, sinon tu vas avoir des effets sur toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui est vrai. Maintenant, quand j'entends ça, ton cœur croit. Mais ton esprit est en train de troublé par le diable. Qui te dit non, tu peux marcher avec ces gens-là et ça ne va pas t'affecter. Là, la guerre a commencé. Est-ce que cette guerre qui se passe dans ta tête en ce moment-là, faire intervenir des machettes, des bois, des balais, de quoi encore? Des armes? Non! 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 C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Tu cherches quelque chose depuis, tu ne trouves pas. Tu cherches la chose depuis, tu ne trouves pas. À un moment donné, tu te dis, mais ah, comment je vais faire? Tu ne trouves pas ce que tu recherches. À ce moment-là, mon ami, il faut rester calme. Ça, c'est un conseil que je te donne. Reste calme. Tu restes calme. Tu fermes ta bouche. Tu respires beaucoup. Et oublie l'affaire. Pense à autre chose.
Quand tu as pensé à autre chose, Dieu va venir travailler pour toi. Il va travailler jusqu'à ce qu'il vienne encore te réveiller pour te dire, regarde tel et tel signe. Ce signe-là, si tu suis ce signe, tu vas trouver ce que tu recherches. Mais toi, tu entends la voix de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit. Tu es seul. C'est à ce moment-là que tu suis la voix qui te parle en esprit, sans faire de bruit, sans tapage. Et tu réussis par la grâce de Dieu, dans les difficultés, à trouver ce que tu recherches. Est-ce que ça, là, ça fait intervenir les bombes lacrymogènes? Ça va intervenir les Kalachnikov. Parce que si ces gens-là avaient les Kalachnikov, ils allaient venir à l'église là-bas pour chasser le diable. Mais frère, ça, je vais vous dire, le diable, il ne meurt pas. Le diable ne meurt pas. On peut juste le chasser, mais il ne meurt pas. Quand vous chassez le démon va s'asseoir sur un arbre là-bas et puis il attend le bon moment pour revenir encore. C'est-à-dire le bon moment là. C'est le moment où vous serez distrait dans le péché. Du coup, votre mission, ce sera de résister à la tentation. Résister à la tentation. Pour certaines personnes, c'est le plaisir de la chair. Pour d'autres personnes, c'est autre chose. Si tu sens que c'est un péché mignon, un péché secret, ton combat là, ça sera de tout faire, tout mettre en œuvre pour fuir ce péché mignon. Tout mettre en œuvre pour que ce péché-là ne puisse pas t'amener en enfer. C'est là que tu vas faire comme Joseph. Joseph, il était face à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit, tu es jolie, écoute, moi je veux que tu couches avec moi aujourd'hui là. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Joseph a fui. Maintenant, il a fui là. Vous, les gens de 2021 là, les gens d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, oh Joseph, toi tu es un gaou, comment tu vois go et puis toi tu fuis. Je vous ai dit, toi tu es mouillé. Non, toi tu es nul. Voici go, elle te dit, tiens, et toi tu fuis. Joseph a fui parce qu'il devait fuir. Là, c'est un péché là, vous ne pouvez pas combattre cela, vous devez les fuir. Et parmi ces péchés-là, il y a le péché de la chair. Ce qu'on appelle le péché sexuel. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Face à ce péché-là, tu n'as pas besoin de prier. Face à ce péché, tu n'as pas besoin de faire Oribaba, par la langue. Toi-même, la langue que tu parles, tu ne comprends pas. Soit même tu mets ton ethnie tout ce que je te demande, c'est l'obéissance à sa parole. Tout ce que je te demande, c'est de résister à la tentation. Et la prière va beaucoup t'aider. Pourquoi la prière va t'aider? Parce que quand l'homme fait ses femmes, ses yeux et prie, automatiquement, il se met en esprit. Dès qu'il se met en esprit, ça augmente sa force. La force de son esprit. Si la force de l'esprit est augmentée, le corps ne va pas dominer l'esprit là. Et cet homme va gagner le combat. Oui. Il faut connaître le diable. Il faut vraiment connaître le diable pour pouvoir piller le combattre. On ne combat pas le diable avec les machettes physiquement comme ça. On ne combat pas le diable de la sorte. Ça, c'est bien beau.
C'est bien beau. Nous tous, on a fait ça. Hein? Moi-même, j'ai fait ça dans le passé. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, c'est qu'il y a la sorcellerie derrière. Avec Dieu, il faut prier. Il faut le laisser travailler. Vous faites votre part. Et lui fait sa part. Mais dans le secret, à sa manière et à sa façon. Tout ce que vous devez avoir et faire là maintenant, c'est d'avoir la crainte de Dieu, je vous le dis. On dit ne cherche pas la femme d'autrui. Mon frère, ne cherche pas la femme d'autrui. Si tu réussis à ne pas chercher la femme d'autrui, tu as gagné le combat contre le diable. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comme ça se passe. C'est pas de la blague. Parce que moi, je ne veux pas permettre, je veux pas croire que après avoir fini de faire le prix de combat comme ça, dès que tu finis ça, tu arrives à la maison. Un petit sorcier ou une petite sorcière t'étend un petit piège, tu tombes dedans. Tu tombes dans la colère. Comme la vidéo qu'on a vue précédemment. Vous voyez, non? C'est pourquoi il est préférable d'être concentré. Et de prier dans son cœur. Prie dans ton cœur. Prie seul dans ta chambre. Parce que quand tu pries seul dans ta chambre, la puissance de Dieu augmente. Dieu intervient dans les lieux secrets. Si vous vous rendez à l'église, il faut adorer Dieu et partager la parole de Dieu. À l'église. C'est un lieu qui est censé être fait afin que les gens puissent venir adorer Dieu. De toutes les façons possibles. Ça c'est la réalité. Et vous priez. Vous pouvez arrêter votre prière comme vous voulez. Mais il faut qu'il y ait une différence entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire que dans la prière que vous allez faire, ne faites pas intervenir les choses physiques comme ce que vous êtes en train de voir. C'est bien beau, mais ça ne marche pas avec le diable. Ça ne marche pas avec le diable. Non. 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 Voici mes conseils pour vous. Encore sur ces affaires. Quand j'ai vu ça encore aujourd'hui, ça m'a dit, ça m'a. Je me suis dit, il faut que je vous en parle un peu. Les gens pensent que le diable, là, il peut mourir. Seul Dieu peut tuer le diable. Mais le diable ne peut pas mourir parce que c'est un esprit. L'esprit ne meurt pas. C'est Dieu qui sait comment il gère ça. C'est pourquoi il a créé un endroit où il va les jeter après. C'est cet endroit qu'on appelle le temps de feu. Et il y a beaucoup de noms qui ont été cités dans la Bible par rapport à ça. Mais ce n'est pas un endroit joli, joli. Tous ceux qui vont y aller, ce sont les gens qui vont suivre le diable dans ses yeux. Sur la terre, il y a des gens qui aiment persécuter les gens. Il y a des gens qui prennent plaisir à être très méchants. Ce sont des gens qui vont suivre le diable. Mais ceux qui vont chercher Dieu dans leur cœur, dans leur chant, dans leur esprit, ce sont les gens qui vont suivre Dieu au ciel. C'est juste ça. C'est juste ça. Dieu sait que nous n'est pas parfait ici. Dieu sait les faiblesses de l'être humain. Mais il nous dit aujourd'hui que nous pouvons corriger toutes nos faiblesses. Allez lire le livre de l'Apocalypse, vous allez comprendre. Les lettres adressées aux sept églises.
Là, vous allez comprendre des choses. Des choses. Lui, il dit par exemple à une église, toi là, tu fais de bonnes choses pour moi, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses une femme prêcher dans l'église et elle séduit tous mes fidèles, tous mes enfants, tous mes pasteurs. Il faut arrêter ça avant que ma collègue s'élève contre toi. Qui parle? C'est Dieu. Est-ce qu'il a dit le nom du diable? Il n'a pas dit le nom du diable même. Tiens! Ouais. Allez lire, hein? Allez lire! Allez lire, oh! Ah! Ne donnez pas écrivez-moi, je vais vous expliquer quoi il soit. Allez découvrir cela par vous-même. Bientôt, il n'y aura plus de Bible. Bientôt, il n'y aura plus de Bible. Attendez, je vais faire un truc. Voilà. Bientôt, là, les gens ne vont plus vendre des Bibles. Parce qu'ils vont dire que non, la vérité est trop dedans. Ils vont commencer à mentir maintenant pour me donner. Créer des choses qui n'ont pas de sens. Mais il faut essayer de rester serein. Rester fort. Et humble. Que Dieu vous aide. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne et abonnez-vous aussi. Bon, nous allons faire beaucoup de choses ensemble. C'est parti.